activité qui est destinée à intéresser en fait les petits et les grands à la gestion des déchets, et plus particulièrement ici au tri des déchets. Puisque le tri, c'est la première étape finalement à s'interroger sur sa production de déchets et à réduire les déchets pour ensuite, mais pourquoi pas, aller un peu plus loin et se diriger vers le zéro déchet. Ça veut dire produire le moins de déchets possible. Alors, TB sensibilise pendant toute l'année scolaire des tas d'enfants, donc que ce soit à l'école, dans les mouvements de jeunesse, et être présent dans le monde du sport, c'est vraiment quelque chose de très important pour nous. Tout d'abord parce qu'on a beaucoup de valeurs en commun, donc le respect de l'environnement, c'est quelque chose de fondamental. Le respect, et puis aussi son impact, les petits gestes qu'on peut faire. Donc, parce qu'on pense toujours que la planète, elle se détruit, on ne peut rien y faire, mais au contraire, donc, en choisissant de consommer différemment, en choisissant de réduire les déchets, en choisissant d'utiliser la bonne poubelle pour que les déchets puissent ensuite être triés, eh bien on a un vrai impact, un vrai geste. Et donc c'est en cela que TB a souhaité donc être partenaire du Sporting de Charleroi et a souhaité pouvoir proposer des animations aux jeunes, mais aussi à leurs parents. L'animation s'appelle Trieur d'élite et donc on propose donc de choisir une petite cartouche de mousse sur laquelle va se trouver la photo d'un emballage. On demande ensuite d'identifier le type d'emballage, donc en quoi est-il fait. Et puis ensuite on choisit donc la bonne poubelle qui est symbolisée ici par une cible et on shot la balle dans le bon orifice. Et croyez-moi, c'est pas simple.